citoyens américains se mobilisent. Nous soutenons ces âmes qui protègent le rêve américain et l'héritage d'une nation qui s'est communauté internationale pour contester les... Ce décret, il est inefficace, il pose des problèmes de fond et de principe. Il est inefficace parce qu'il ostracise un certain nombre de pays, il rend impossible l'accueil de femmes et d'hommes qui sont persécutés dans leur pays et qui ont besoin d'être protégés par les nations libres. Et je veux vous dire la très grande détermination qui est celle de la France au sein de l'Union européenne de porter haut et loin les valeurs de solidarité, de fraternité, de respect, qui sont des valeurs que nous avons en commun depuis des décennies et des siècles avec les États-Unis.